Bonjour. Donc, toujours dans la solution de l'exercice 1 de la série 4. Donc, c'est la dernière question. Cette fois-ci, on va étudier les trois montages, mais sont où? Okay? Vous allez trouver que le calcul, c'est assez simple. Normalement, on doit déduire, mais pour vous, parce que la première fois, vous allez traiter ces montages, je vais faire avec vous en détail. Comme ça, vous savez tous les cas pour traiter ces trois montages, soit avec l'eau, soit sans l'eau. Okay? Donc, je vais commencer avec le montage émetteur commun, sans roue. Normalement, l'émetteur commun, nous avons déjà fait l'exercice d'émetteur commun dans le dernier exercice de la série 3, mais on va le refaire. Donc, voilà pour le schéma équivalent en dynamique. Voilà notre circuit. Maintenant, je vais essayer d'aller, okay, d'aller rapidement un peu. Donc, regardez. Le schéma équivalent en dynamique, nous avons déjà tracé le schéma équivalent en dynamique lorsqu'on a traité la question 2, ok? 2A. Donc, lorsqu'on a traité le schéma d'émetteur commun avec roue. Ok? Ça, c'est pas tout à fait le schéma dynamique parce qu'on doit remplacer le transistor par son schéma équivalent. Ça, c'est la première représentation dynamique, sans remplacer le transistor. Ok? Donc, ici, on va remplacer les condensateur par des fils, l'alimentation par un fil. Finalement, on aura ce montage-là. On a fait ça lorsqu'on a traité la série, donc traité la première question, bien la deuxième question de la série 1. Donc voilà, je vais. Et donc c'est un émetteur commun. Cette fois-ci, on va faire la représentation sous l'eau. Donc voilà le montage sous l'eau. On va éliminer le l'eau. Ok, toujours vous devez poser votre transistor, okay, soit avec l'eau, soit sans l'eau. Donc ici, sans l'eau, on va donner ce schéma-là pour simplifier les choses. Je vais tracer les grandes lignes. Donc ici, c'est l'entrée, la base. La sortie, dans notre cas, c'est au bord du collecteur. Et l'électrode qui est en commun, c'est l'émetteur. Et on doit regarder la masse. Donc notre référence, c'est ici relié à l'émetteur. Voilà. Je dois tout d'abord commencer par remplir les champs du transistor. Donc regardez. Remplacer le transistor. Donc entre la base et l'émetteur, il y a HA1. Entre le collecteur et l'émetteur, on a seulement cette fois-ci le générateur de tension, plutôt de courant, bêta fois I. Et je termine le circuit. Donc entre la base et la masse, on a RB en parallèle avec EG fois plus RG, donc, et la tension c'est VE. Et à la sortie, regardez, entre le collecteur et l'émetteur, plutôt c'est pas l'émetteur, entre le collecteur et la masse, toujours on doit donner des choses par rapport à la masse, on a la résistance RC et notre signal VS. Okay, donc ça c'est le schéma équivalent sans loup. Maintenant je vais commencer par le calcul du gain en tension. Donc regardez, le gain c'est très simple. En utilisant la maille d'entrée, je vais calculer le VE. Donc regardez, la tension ici. Donc VE, c'est la tension au bord de HA1. Ok? Donc c'est HA1 fois IP, positif, parce que le courant c'est de la base vers l'émetteur. Voilà. Et je dois calculer la tension VS, donc en utilisant la maille de sortie. Le VS c'est quoi? C'est RC. Ok? C'est la tension au bord de RC. Mais le courant qui parcourt le RC c'est quoi en fait ici? Donc c'est bêta IB. Voilà. C'est ce courant-là, c'est bêta IB. Mais le sens de courant et le sens de la tension est le même. Donc ici, on a un moins. Moins RC fois bêta IB. Donc, le gain, c'est VS sur VE, c'est RC bêta IB sur H1 IB. J'ai remplacé les expressions par ces valeurs. Et finalement, voilà la formule. Donc c'est un gain négatif. Comme j'ai déjà dit, c'est inversé. Maintenant, pour le calcul du gain en courant, la même chose. Donc c'est IC sur IE. Voilà le IE et voilà le IC. Okay. Je vais commencer par le IE en utilisant donc la méthode directe. Regardez, dans les deux résistances, lorsque les deux résistances sont parallèles, donc le courant qui parcourt ces deux résistances, c'est le courant IE. Et la tension au bord de l'ensemble, c'est la tension VE. Donc en utilisant la loi de Dohm, donc c'est VE sur RB en parallèle avec H1, la résistance totale. Ok, j'ai fait les calculs, j'ai trouvé cette relation. Voilà. Après, en utilisant la maille de sortie, je vais calculer le IC. Donc IC, ici c'est clair, c'est pas la peine de faire des calculs. IC, par définition, c'est bêta IP, tout simple.
c'est le bêta IP. Finalement, notre AI, donc le gain en courant, IC sur UE, je vais remplacer chaque formule par sa relation. Finalement, j'aurai cette valeur. Voilà. C'est une expression simplifiée. Donc, regardez, si vous avez fait attention, vous avez comparé cette relation avec la relation de gain en courant lorsqu'on a calculé pour un montage avec roue, OK, avec roue, vous allez trouver, vous devez seulement négliger le roue, parce que le roue, ici, c'est l'infini. OK, remplacer le roue par l'infini, vous allez trouver cette relation, tout simplement. Maintenant, pour le ZE, calcul de ZE, je vais utiliser la méthode directe cette fois-ci. Donc, par définition, c'est VE sur IE. Il doit être placé ici. Je dois regarder qu'est-ce que je vois. Je vois la résistance RB en parallèle avec le reste du circuit. Okay. Et je dois calculer donc cette impédance Z'E. Je vais la nommer. Donc, RB en parallèle avec Z'E. Et je dois calculer le Z'E. Par définition, c'est la tension qui va attaquer ce qui est en vert, plutôt en orange, c'est VE, sur le courant qui va attaquer ce qui est en orange, donc c'est IB. VE sur IB. Et VE, on a déjà calculé la valeur de IB, VE c'est H1IB sur IB, donc il ne me reste que H1. Donc voilà, ZE c'est RB en parallèle avec H1, tout simplement. Donc regardez pour le ZS, toujours on doit poser la relation, donc c'est VS sur IS à EG est égal à 0 et à vide. Donc voilà notre montage. Voilà notre montage, ok. Et donc AEG est égal à 0, ce que j'ai tracé en vert, c'est EG. Donc AEG est égal à 0, voilà le montage devient comme ça, ok. On doit remplacer le EG par un fil. Donc à ce niveau-là, je dois calculer le ZS, tout simplement, VS et le IS, voilà. Donc c'est le VS au bord de RC, le IS, voilà. Notre courant de source. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois être placé ici. Et je dois regarder qu'est-ce que je vois. Donc je vois tout simplement l'impédance ZS. Donc c'est tout le circuit. C'est l'impédance ZS. Maintenant, je dois calculer cette impédance. Mais bien sûr, toujours, je dois calculer, je dois utiliser cette condition ici. Okay? La condition. On a EG est égal à RGIG plus VE. Okay? Cette tension égale à VE, okay? Plus la tension en borne de RG. Le courant ici qui parcourut cette tranche, je l'appelle courant IG. C'est vient de générateur. Okay? Donc c'est RGIG plus VE. Je vais calculer le IG parce qu'on ne sait pas la valeur de IG. En revanche, VE, c'est H1IB. J'ai remplacé le VE par H1 fois IB, tout simplement. Donc voilà, VE, c'est H1 fois IB. Donc le IG, par définition, c'est quoi? C'est, en utilisant la loi des nœuds, c'est IB plus le courant qui va passer dans le RB. Et en utilisant la loi dans cette tranche, on a dit c'est VE sur RB. Donc c'est VE sur RB avec signe positif. Je remplaçais le VE par sa valeur H1IB, j'aurai mon courant IG. Voilà, donc j'ai remplacé dans l'expression de EG. Voilà, l'expression devient comme ça. Donc voilà, regardez bien que l'expression dépend de IB. Donc on a tout un terme fois le courant IP. Maintenant, la condition dit que on calcule ZS lorsque EG est égal à 0. Donc voilà, tout ce terme égal à 0. Est-ce que ce terme est nul? Bien sûr, non. Le seul terme qui va être nul, c'est IP. Donc, si EG est égal à 0, automatiquement IB est égal à 0, bêta IB est égal à 0. Donc qu'est-ce que je vois? Je vois que la résistance RC. Donc ZS dans ce cas-là, okay, c'est RC. Voilà. C'est la résistance RC. Donc ça, c'est pour l'émetteur commun sans roue. Maintenant, je vais passer au collecteur commun. Voilà pour le montage de collecteur commun. Donc c'est ça le montage collecteur commun. On a déjà fait expliquer pourquoi c'est un collecteur commun. L'entrée c'est donc on va attaquer la base et la sortie c'est le bon de l'émetteur. Voilà, c'est pour cela on a collecteur commun. Donc comme vous voyez voilà le schéma équivalent. Ok. Et donc comme déjà fait, j'ai rassemblé le RP1 avec RP2 à RP, c'est entre la base et la masse.
Et cette fois-ci, regardez, le collecteur s'est relié directement à la masse parce que le E devient masse. Donc voilà, on court-circuite le E. Et non, entre l'émetteur et la masse, on a le R. Voilà. Je vais essayer de faire le schéma équivalent. Maintenant, je dois mentionner ce que j'ai dans l'énoncé, donc son groupe, et je dois poser mon schéma équivalent du transistor, okay, devant moi, pour simplifier le tracé. Je dois pas poser les grandes lignes. Donc, ce côté-là, c'est l'entrée. Dans notre cas, c'est la base. Ici, c'est la sortie, c'est l'émetteur. Ici, c'est ce qui est en commun, donc c'est le collecteur. Je dois regarder ma masse et le relier à quoi. Donc ici, dans notre cas, c'est le relier directement au collecteur. Voilà, j'ai posé ma masse ici. Et je continue à remplir ce schéma-là. Donc, entre la base et le collecteur, on a H11 fois IB, la base et l'émetteur plutôt. On a H11IB, ok. Entre le collecteur et l'émetteur, on a quoi? Donc, entre l'émetteur et le collecteur, on a le générateur de courant, bêta-IB. Donc, regardez s'il vous plaît pour le sens, c'est du collecteur vers l'émetteur. C'est très important, le sens. Et je termine à remplir mon circuit. Donc, entre la base et la masse, ok, entre la base et la masse, j'ai la résistance RB en parallèle avec EG fois RG. Donc, voilà. Okay. Et mon signal, bien sûr, d'entrée. Et entre la sortie, donc l'émetteur et la masse, j'ai ma résistance RE. Okay. Donc voilà, la résistance RE en parallèle, plutôt le signal de sortie VS. Donc voilà notre montage équivalent pour un collecteur commun sans. Donc voilà le montage. Maintenant, je calcule le gain en tension. Okay. Par définition, le gain, c'est VS sur VE. Je vais calculer tout d'abord le VS, parce que VS est très simple à calculer. Donc, regardez, le VS, c'est la tension aux bornes de RE. Okay. Donc, regardez, par définition, c'est cette tension. Le courant qui parcourut cette tension, c'est quoi en fait? Donc, regardez, le courant qui parcourut, c'est le courant vient de cette tranche, okay, de cette branche ici. Donc, en appliquant la loi des nœuds ici, regardez ce courant-là, c'est IB plus bêta fois IB. Donc, c'est bêta plus 1 fois IB. Regardez. Okay. Donc le RE, c'est plutôt VS, c'est RE fois bêta plus 1 fois IB. Positif. Parce que le sens de courant et le sens de la tension, c'est opposé. Maintenant, je peux calculer ma tension VS, VE plutôt. Donc regardez pour le VE, c'est la tension aux bornes ici. Okay. Mais je ne connais pas le courant aux bornes de RB, donc je vais utiliser la loi des mailles. Donc VE égale à combien? C'est cette tension qui représente le VS plus la tension aux bornes de H11. Okay, donc ça c'est VS. Regardez, donc c'est H11IB fois plus VS. H11IB positif plus la tension VS. Et je vais remplacer VS par son expression. Donc regardez. Finalement, le gain, c'est CVS sur VE. Voilà. Si jamais vous allez travailler avec l'expression, la première expression que nous avons trouvée lorsqu'on a calculé le gain avec l'eau, il suffit de remplacer l'eau par l'infini. Vous avez trouvé que la relation devient comme ça. Okay? Voilà. J'ai simplifié avec le IB, donc j'ai trouvé cette relation. Maintenant, je vais calculer le gain en courant. Donc, regardez pour le gain en courant. La même chose. Donc, la définition, c'est I1 sur IE. Le I1, voilà. Donc, regardez ici, le I1, c'est sorti. Donc, il va sortir l'émetteur. Et le IE, voilà, le courant avec lequel on va attaquer notre circuit. Donc, je vais calculer le IE en utilisant la loi des nœuds. Donc, c'est le IB plus le IRB. Okay? Le IRB, par définition, c'est quoi? Donc, c'est VE sur RB. On a déjà fait ça. C'est VE, la tension aux bornes de RB, sur la résistance RB. Plus IB. Donc, on a déjà calculé la valeur de VE dans la première question. Donc, voilà, je vais remplacer le VE par son expression. Sur RB. Voilà. Maintenant, je dois calculer le I1. Est-ce que je vais calculer le I1 ou non? Donc, regardez ici le I1. En utilisant la loi des nœuds, le I1, c'est IB plus bêta fois IB, tout simplement. Voilà. Voilà. C'est bêta plus 1 fois IB. C'est ça le I1. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le calcul de AI. Donc, c'est I1 sur IE. J'ai remplacé I1 par sa valeur et IE par sa valeur. Comme ça, j'ai trouvé la relation de AI. Donc, je vais simplifier par le IB et
ce RB-là. Donc, je vais la faire monter ici, mais à condition ici plus RB, voilà. Maintenant, je vais calculer le ZE. Donc, en utilisant la méthode directe, donc voilà VE, voilà IE. Je dois être placé ici, je dois voir ce que je vois, donc je vois ma résistance RB en parallèle avec tout le reste de circuit. Okay? En parallèle avec Z'E, donc même chose. Donc Z'E, c'est quoi? Je dois regarder la tension qui va attaquer ce qui est en orange, donc c'est la tension VE, et le courant qui va attaquer ce qui est en orange, c'est I'E, c'est normalement IB, parce que c'est le courant qui passe dans le HA1, donc c'est IB. Okay? Donc VE est égal à HA1 IB plus RE bêta plus 1 fois IB. Nous avons trouvé cette relation lorsqu'on a calculé le gain en tension. Okay? Et je vais remplacer donc VE par sa formule et I'E par sa formule qui est IB et je trouve ma relation Z'E. Donc finalement, ZE, c'est RB en parallèle avec Z'E, donc c'est RB en parallèle avec cette expression. Voilà le ZE. Maintenant, pour calculer le ZS. Le ZS, c'est quoi? C'est VS sur IS, AEG est égal à 0 et A8. Okay? Donc, voilà le EG est égal à 0. Donc, on va remplacer le EG par un fil. Voilà. Okay? On va essayer de faire les calculs. Donc, c'est VS sur IS. C'est ça la ZS. Donc, je dois être placé ici. Je dois voir. Qu'est-ce que je vois? Je vois ma impédance de source. Okay? Et pour simplifier les choses, regardez ce RE. Qu'est-ce que je vois, autrement dit? Donc, je vois le RE en parallèle avec le reste du circuit. Okay? RE en parallèle avec le reste du circuit. Je vais nommer le reste Z'S. C'est la méthode directe. Donc, RE en parallèle avec Z'S. Okay? Je dois calculer Z'S égale à combien? Donc, regardez Z'S. Je dois regarder la tension qui attaque donc à l'entrée de ce qui est en vert, donc c'est la tension VS. Et le courant, donc c'est ce courant-là, I'S. Donc c'est moins bêta plus 1 fois IB. Si on va utiliser loi des nœuds, vous allez trouver cette valeur. C'est moins bêta plus 1 fois IB. Donc voilà. Je dois calculer le VS maintenant. Donc cette tension-là, c'est la tension ici, plus la tension ici, okay. Loi des mailles. Cette tension plus cette tension nous donne la tension VS. Okay. Voilà. Je remplace donc cette tension, c'est quoi? C'est H11 fois IB, parce que le courant qui parcourut, regardez le courant qui parcourut cette résistance, okay, de la base vers le collecteur, donc c'est IB, vers l'émetteur plutôt, de la base vers l'émetteur, c'est IB. Donc, regardez avec un signe moins tout simplement parce que le sens de la tension et le courant ont le même sens. Okay? Mais regardez pour la tension qui est en bleu. Est-ce que je connais le courant qui parcourt le RB? Non. Le courant qui parcourt le RG? Non. Mais l'ensemble. Lorsque ces deux sont en parallèle, le courant qui sort de ces deux, regardez, c'est quoi? C'est le courant IP. Donc, je le connais. Donc, c'est pour cela que je vais utiliser l'ensemble. Okay? Mais avec un signe moins, tout simplement parce que le sens de courant, c'est le même que le sens de la tension. Et voilà. Finalement, Z'S est égal à VS sur I'S. Je remplace VS par sa valeur, I'S par sa valeur, voilà. Je vais simplifier par le IB et par le moins. Finalement, j'aurai cette relation. Okay? Finalement, ZS. C'est RE en parallèle avec Z'S. Donc voilà, c'est RE en parallèle avec l'expression de Z'S. Okay? Donc ça, c'est ZS. Maintenant, passons au troisième montage, c'est montage base commune. Okay? Voilà, son lot. Donc voilà la représentation du montage, comme j'ai déjà fait. Je vais essayer tout d'abord de commencer par remplacer l'alimentation et les condensateurs par des fils. Après, je vais remplacer le condensateur par son modèle. Okay? Donc ici, regardez, je vais remplacer le CLE par un fil. Donc regardez, ce condensateur va court-circuiter le RB1. En même temps, va court-circuiter le RB2 parce que RB1 et RB2 sont en parallèle. Okay? Donc regardez, voilà. Donc ce côté-là, il ne me reste que le fil. N'existe pas le RB.
entre l'émetteur entre l'émetteur et la masse, il y a RE en parallèle avec le générateur et la résistance RG. Et cette fois-ci, regardez le collecteur. Entre le collecteur, il y a la résistance RC qui est branchée directement à plus E, et plus E il va être connecté à la masse. Donc regardez. On va court-circuiter le plus E. Maintenant, je peux donner le schéma équivalent en remplaçant le transistor par son schéma. Donc regardez les grandes lignes. Dans notre cas, l'émetteur, c'est l'entrée. Le collecteur, c'est la sortie. Et ce qui est en commun, c'est la base. La masse, c'est le lié directement donc à la base, ici dans notre cas. Et je commence par remplir le transistor, remplir les composants du transistor. Donc regardez, entre la base et l'émetteur, il y a la résistance H11, okay? Et entre le collecteur et l'émetteur, il y a le bêta IB, okay? Il y a le générateur de courant, et le son, c'est du collecteur vers l'émetteur. C'est très important ça. Et je vais terminer. Donc regardez, entre l'émetteur et la masse, j'ai la résistance RE en parallèle avec RGEG et mon signal de sortie VE. Et à la sortie, donc entre le collecteur et la masse, j'ai la résistance RC et le signal VS de sortie. Donc voilà. Ça, c'est le schéma équivalent du montage basse commune. Solo, bien sûr. Donc voilà. Maintenant, je vais commencer à calculer le gain. Donc ici, on va travailler directement. C'est pas la peine de travailler avec. Lorsqu'on a travaillé avec Rho, donc nous avons passé de Norton vers Thévenin. Donc ici, non, on va travailler normal. Donc regardez, c'est très simple les calculs. On va commencer par le calcul de VE. Donc le VE, c'est quoi? C'est la tension aux bornes de ici, ou bien aux bornes de RE, ou bien aux bornes de HA1. Donc c'est aux bornes de HA1 parce qu'on connaît le courant aux bornes de HA1. C'est le courant IB, c'est de la base vers l'émetteur, s'il vous plaît. La base vers l'émetteur. Donc c'est avec un signe moins HA1 fois IB. Maintenant, je dois calculer le VS. Donc regardez le VS, c'est la tension aux bornes de RC. Et le courant qui parcourt le RC, c'est quoi? C'est bêta fois IB. Okay? Mais regardez avec un signe moins, parce que le sens de courant et la tension, c'est le même. C'est moins RC bêta fois IB. Donc le gain, c'est VS sur VE. Je vais remplacer VS par son expression et VE par son expression. Comme ça, voilà l'expression du gain. Okay? Le gain du courant. Okay, en courant. Donc regardez, voilà le schéma. Donc par définition, c'est IC sur IE. Voilà le courant d'entrée. Voilà le courant IC. Okay? Je dois calculer chaque courant indépendamment. Donc je vais commencer par le IE. Je vais utiliser la loi des nœuds ici. Okay? Donc le IE égale à combien? Donc regardez. Le courant qui passe ici égale, si je vais utiliser ce nœud-là, normalement le courant qui va passer dans le nœud, c'est bêta IB plus IB, ok? C'est bêta IB plus IB, et plus IE, ces deux courants vont entrer. Et le courant I1, c'est le courant qui sort, ok? C'est le courant qui sort. Donc regardez, en utilisant la loi des nœuds, regardez, voilà. Somme des courants entrants égale à somme des courants sortants. Donc voilà, IE est égal à I1 moins bêta IB, ici, moins IB, j'ai commis une erreur, moins IB. Ok? Donc voilà, finalement, le I1 par définition, c'est quoi? C'est le courant qui parcourt le RE en utilisant la loi d'Ohm, donc c'est la tension VE sur RE. Donc voilà, VE sur RE égale à moins H11 IB. Sur RE. Voilà. Moins H1 IB, parce que la tension, nous avons trouvé VE est égal à moins H1 IB. Okay? Et le IE, donc voilà, l'expression de IE devient comme ça. Je vais remplacer les termes. Okay? Maintenant, je dois calculer le IC. Donc, c'est pas la peine de calculer IC, parce que c'est clair, le IC, c'est quoi? En fait, c'est bêta fois IB. Donc, IC sur IE nous donne cette valeur. Je vais simplifier par le moins. Voilà. C'est pas je vais simplifier, mais je vais simplifier par le IB plutôt. Donc regardez, nous avons trouvé cette relation. Voilà, donc c'est un inverseur. Regardez ici pour le gain de en courant. Maintenant, je vais calculer l'impédance d'entrée. Regardez pour l'impédance d'entrée, je vais utiliser la méthode directe. Donc c'est VE sur IE. Je dois être ici, okay, entre ces deux bornes en vert. Je dois regarder qu'est-ce que je vois.
Je vois ma résistance, LE en parallèle avec H1,1. Ces deux résistances, je les vois clairement. Mais ces deux résistances sont en parallèle avec le reste du circuit. Z'E. OK? Donc voilà. Z'E, je dois la calculer. Donc je dois regarder la tension ici au bord, à l'entrée de ce qui est en orange. Donc c'est la tension. Généralement, c'est la tension V. Voilà, c'est la tension VE. Okay, donc ce qui est en orange, la tension VE. Et le courant qui attaque ce qui est en orange, donc c'est I'E. Dans notre cas, c'est moins bêta IB. C'est l'inverse de bêta IB. Donc c'est moins bêta fois IB. C'est le courant inversé. Et je remplace VE par sa relation qui est moins H1IB. Regardez. Donc il me reste cette valeur H1 sur bêta. J'ai simplifié par moins et par IB. Donc finalement le ZE c'est quoi? C'est RE en parallèle avec H1 en parallèle avec Z'E. OK? Donc égal à LE en parallèle avec H1 en parallèle avec H1 sur bêta. Donc voilà l'expression de Z. Bien sûr, si vous devez calculer, faire la valeur numérique, vous devez calculer cette expression. Donc vous allez remplacer tout d'abord LE en parallèle avec H1 par sa valeur. Donc LE fois H1 sur LE plus H1. Après, essayez de calculer la valeur numérique de ce terme. Et, ou bien, donner un nom à ce terme. Et, par exemple, c'est R' en parallèle avec H1 sur bêta. Et, comme ça, les calculs devront, soient, faciles. Maintenant, regardez pour calcul de ZS, qu'est-ce qu'on doit faire? Okay. Donc, pour l'expression c'est VS sur IS à EG égale à 0 et à vide, on doit court-circuiter le EG. Donc voilà, c'est ce que je fais. J'ai court-circuité ce EG. Okay. Et je dois calculer le VS sur le courant IS, l'expression de VS sur IS. Donc je dois être placé ici. Qu'est-ce que je vois? Je vois tout simplement la résistance ZS. Et ici, on va utiliser la condition, tout simplement, regardez pourquoi. Donc, regardez, le EG, par définition, c'est quoi? Okay. C'est la résistance, la valeur de VE plus RG fois le courant IG. Okay. Nous avons déjà dit ça. Je vais remplacer VE par son expression, c'est moins H1 fois IP, regardez. C'est le courant et la tension, c'est en le même sens. Et le IG, je dois le calculer. Donc le courant IG, en utilisant la loi des nœuds, donc c'est le courant qui parcourt le LE plus le I, donc IC moins le IB. OK? Moins IB. Parce que IG plus IB égale au courant IRE. OK? Donc pour le IRE, c'est quoi? Pour le courant IRE ici, qui parcourt le LE, c'est la tension VE sur LE, donc c'est ça. Je vais remplacer le VE par son expression, moins H1IB sur IE, moins IB. Okay? Et je vais remplacer dans l'expression de EG. Donc finalement, j'ai trouvé cette relation. Donc un terme fois le IB. Tout un terme fois le IB. Donc si EG est égal à 0, donc automatiquement tout le terme est égal à 0, et la condition c'est IB est égal à 0, parce qu'on sait très bien que ce terme n'est pas nul. Okay. Comme ça, c'est bêta IB est égal à 0. Donc, si bêta IB est égal à 0, donc, voilà. On n'a pas le reste du circuit. Qu'est-ce que je vois? Je vois que la résistance RC. Donc, ZS est égal à RC pour le montage base commun. Voilà.